Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube La Pause RH, la chaîne YouTube qui vous propose des astuces et des conseils RH pour vous aider à décrocher votre emploi de rêve ou bien devenir un meilleur recruteur au quotidien. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo. Comme vous le savez déjà, l'entretien téléphonique après le CV est la deuxième grande étape à franchir pour pouvoir décrocher un emploi. Il est donc essentiel de le réussir pour passer à la prochaine étape, l'entretien d'embauche en personne avec la RH. Dans cette vidéo, je vais vous donner 5 conseils qui vont vous permettre de convaincre votre interlocuteur lors de cet appel. Conseil numéro 1, vraiment ça va paraître évident et pourtant faire attention, essayez de répondre le plus possible aux appels que vous recevez. Donc quand vous êtes en recherche d'emploi, je vous conseille vraiment de toujours le plus possible mettre votre téléphone en dehors du mode silencieux pour l'entendre à chaque fois qu'il sonne et décrocher le plus souvent possible, même si c'est juste un petit 30 secondes pour expliquer au recruteur que vous n'êtes pas disponible pour le moment et pour reporter l'appel. Donc vraiment c'est très important de répondre au téléphone car c'est très fatigant pour le recruteur de tomber sans cesse sur des messageries et surtout vous ne savez pas quand est-ce qu'il va avoir le temps de vous rappeler et de répondre au téléphone pour échanger avec vous. Donc au maximum, vous rendre disponible par téléphone quand vous êtes en recherche d'emploi. Deuxième conseil, ne pas hésiter à reporter l'entretien téléphonique si vous n'êtes pas disponible ou si vous n'êtes pas dans les meilleures conditions pour donner le meilleur de vous-même lors de cet appel. Donc vraiment, si vous êtes dans un endroit avec du bruit, du monde ou que vous avez peu de temps devant vous à consacrer au recruteur, surtout n'hésitez pas à reprogrammer l'appel avec le recruteur. Il n'y a vraiment aucun problème pour ça en général. Nous, les recruteurs, on est toujours vraiment très disponibles et très flexibles à ce niveau-là. Donc vraiment, ne pas hésiter. Ça ne va pas du tout vous porter préjudice sur l'étude de votre profil. Bien au contraire, on préfère toujours échanger avec un candidat qui est dans les meilleures conditions possibles que de faire ça à la va-vite. Et malheureusement, peut-être pour nous aussi en tant que recruteur, passer à côté d'un bon profil juste parce qu'il n'a pas été capable de donner le meilleur de lui-même lors de l'échange. Donc vraiment, attention à ça, reportez l'entretien si vous n'êtes pas dans les meilleures conditions, si vous avez peu de temps ou vous n'êtes pas disponible. Conseil numéro 3, essayez le plus possible d'être précis dans les réponses que vous apportez car l'entretien téléphonique est en général assez court, hein, au maximum 10 à 15 minutes en fonction de l'emploi sur lequel vous avez postulé. L'objectif vraiment de cet échange, c'est de donner un bref aperçu de votre profil et de vos compétences et surtout de donner l'idée au recruteur si oui ou non vous allez correspondre pour l'emploi sur lequel vous avez envoyé votre CV. Donc le but, c'est pas d'étaler le plus possible ses expériences et ses compétences, c'est vraiment d'être précis et efficace et de faire un bref résumé de ce que vous pouvez apporter sur le poste. Donc vraiment s'entraîner à cet exercice pour être précis dans ses réponses. Quatrième conseil, toujours prévoir de quoi noter car l'entretien téléphonique est assez court mais en général on reçoit beaucoup d'informations qui peuvent être très utiles pour la suite de la procédure de recrutement. On peut recevoir de l'information sur le poste, sur les compétences que le recruteur recherche et également sur l'entreprise. Donc c'est vraiment très important pour vous de noter toutes ces informations pour ne pas les oublier et surtout encore plus important, on peut tout de suite vous programmer par téléphone un rendez-vous pour vous rencontrer. Donc prévoir de quoi noter pour noter toutes les informations sur le lieu de rencontre, la date et l'heure et d'autres informations que le recruteur pourrait vous donner sur les facilités d'accès sur l'entreprise. Donc vraiment très important, toujours avoir de quoi noter sous la main. Cinquième et dernier petit conseil, ne pas oublier de remercier son interlocuteur. Encore une fois, ce sont les petits détails qui font les grandes différences. C'est sûr que ça va toujours apporter un petit plus à votre profil, de ne pas oublier de remercier le recruteur qui a pris le temps d'échanger avec vous et de le saluer poliment. Donc vraiment, n'hésitez pas à apporter le maximum voilà, de votre politesse et de votre chaleur humaine pour vraiment déjà, dès le début, dès ce premier échange téléphonique, créer un bon lien avec le recruteur pour mettre toutes les chances de votre côté. Et voilà, c'en est déjà fini pour cette mini capsule vidéo qui vous a donné 5 petites astuces RH qu'on peut parfois oublier pour vous aider à mettre toutes les chances de votre côté pour réussir ce fameux entretien téléphonique qui est vraiment déterminant pour la suite de la procédure de recrutement. Donc vraiment, n'hésitez pas à les mettre en application, ça va vraiment faire la différence sur votre profil et je vous assure, parole de RH, très peu de candidats font l'ensemble de ces 5 efforts que je viens de vous donner. Donc vraiment, ça va vraiment faire la différence.
conférence. C'est pas du tout des pratiques qui sont répandues chez tous les candidats, croyez-en mon expérience. Donc n'hésitez pas à les appliquer, ça va vraiment jouer en votre faveur. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo sur la pause RH. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo et surtout, surtout, vous abonner à la chaîne. Vraiment, plein de contenus sont en cours de préparation. On est vraiment qu'au début de la chaîne. Il y a plein de choses qui arrivent prochainement. Donc, n'hésitez pas, vraiment, abonnez-vous et surtout, donnez-moi votre feedback dans les commentaires. Ce sera vraiment avec plaisir que j'échangerai avec vous. À bientôt!